Bien, si, señor, bienvenue à la casa de Flintwinch. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour un patch exceptionnel. On a eu la sortie du patch 2.51 récemment. Donc, euh, on a le dev blog. Alors, c'est pas encore en ligne, c'est sur bêta. C'est des modifications qui ont été faites actuellement. C'est en prévision de ce qu'ils ont déjà vu de la bêta, de ce qui se fait. On a des correctifs, on a des changements. J'ai globalement lu avant de vous présenter l'histoire, pr pr enfin présenter mieux la vidéo. Euh, et je suis plutôt satisfait des changements. Donc on va les lire ensemble, ça a l'air intéressant. Donc Cory a, a publié euh, Anomalie et Expérience anormale. Le malus maximum a été fixé à moins 80% sur une zone où une pierre de capture, XP et drop compris. Le bonus maximum a été fixé à 250% sur une zone où une pierre de capture, XP et drop compris. Donc là ils veulent vraiment que le système fonctionne. Hein. Je pense qu'ils ont écouté Magua. Grosso modo le système était effectivement infonctionnel. Magua l'a vu sur bêta. Donc ils ont décidé de taper bien au fond. Je pense que là, au moins, on sera sûr que ça fonctionne. Clairement, j'ai vraiment pas envie de me taper des trucs comme ça. Les pierres de capture actuellement inexistantes. Euh, pardon, actuellement existantes en jeu seront affectées par un mus de moins 20% lors du passage à la 2.51. Note de la direction. La quantité de personnages capturant des groupes en avance de façon à prévoir les pierres sans éducation nous dérange. Donc évidemment, il hein, y a beaucoup, beaucoup de gens qui avaient commencé à capturer des pierres en avance et ça dérange les développeurs. Un hein, des développeurs d'ailleurs, peut-être même d'ailleurs un aidé. Euh, et euh, pour le coup, bah, je trouve que c'est un, un bon moyen de, de s'assurer que l'économie puisse se relancer après les... Euh, beaucoup de gens vont stocker les pierres, ça me paraît peut-être un peu déplacé de garder ça comme ça. On verra évidemment. Hein. Les portails de dimension demandent désormais un niveau minimum de 80 pour être traversés, qui est grosso modo ben, le niveau pour aller à Introsor hein, 1, grosso modo, ce qui est correct, je pense. Euh, C'est quelque chose qui aurait dû être fait bien bien avant, c'était évident qu'il fallait pas laisser les noobs aller dans des zones pareilles. Euh, les gens niveau 30 n'ont rien à faire avec mon panda bistouille, je comprends même pas pourquoi on accepte ce genre de choses encore aujourd'hui d'ailleurs. Euh, ça devrait être un nerf qui aurait dû faire, enfin, ça, ça aurait dû faire un moment. Euh, le niveau minimum pour obtenir ses accès à l'île de Frigost a été passé de 50 à 90. Là aussi, ça a du sens. Hein. La première zone de Frigost est niveau 90. Allez, pour savoir pourquoi on sort du donjon blop on y va. C'est plutôt ok. Bon, pour l'instant, l'idée c'est quand même de garder les gens dans les zones où ils doivent aller. Donc pour l'instant, ça me va. Les casse-cargo sur l'île de Tomaï ont revu leur fonctionnement. Les glyphes ne sont plus capables de tuer les monstres alliés. Un joueur commence son tour sur un glyph et est désormais pacifiste pour un tour. Le casse-cargo est désormais un nouveau sort, roule ton boule, qui lui permet d'infliger d'importants dégâts en ligne. Le casse-cargo ne se téléporte plus. C'est c'est ouais, c'est pas ouf, c'est c'est bien, c'est pas ouf. Personnellement, ça m'affecte pas trop parce que j'ai toujours su gérer évidemment sans avoir besoin de faire les casse-cargo, euh, mais c'est vrai que ça va être bien pour les débuts de rush Server, peut-être ça il hein. y a pas mal de nerfs comme ça. Hein. D'ailleurs, au passage, j'en profite hein. euh, Le point en dessous, c'est le succès duo sur le Kimbo passe de 8 à 15 tours, je trouve là aussi évidemment que heureusement, ils sont plutôt généreux là-dessus. Hein Évidemment, les monstres de la quête Dr. Moro sont désormais remplacés par des versions nommées Dont l'expérience a été grandement réduite par rapport aux originaux Là aussi, hein, on est sur, une véritable, sur une, un véritable nerf on, Je pense qu'ils prennent absolument tout ce qui permet de faire de l'XP facilement actuellement Et qui tapent dedans, hein, c'est euh, assez crade évidemment Mais au moins, on est sûr que les gens vont désormais devoir l'XP via euh, l'almanach, quête quotidienne, quête hebdomadaire Ça va faire du bien à tout le monde, je pense, de enfin bouger d'une zone à une autre Harpie, le poison de la harpie ne peut plus être retiré en subissant un désenvoûtement. Il peut toujours l'être en étant soigné. Bon, alors c'est clairement focus sur le panda ici à la bistouille. Au cas où de moins 80% ne suffisent pas, évidemment. L'expérience obtenue via les doppels et la quête, un bon gros part, a été significativement augmentée. Voilà quelque chose que je voulais lire. Évidemment, faire ces 18 opels tous les jours, c'est quelque chose, enfin, c'est un moment, même moi je le fais d'ailleurs sur les 30 personnages, 18 hein. euh, Opel x 30, c'est vraiment super rapide, les combats prennent environ 40 secondes, c'est une énorme astuce Kama, alors c'était une norme astuce Kama parce que les doplons, vous savez, c'était genre le truc de ouf. Euh, bon, alors j'en ai pas trop parlé parce qu'à l'époque j'avais gardé ça pour moi, mais depuis une nerf, je peux vous le dire, hein. clairement j'ai fait une partie de ma fortune avec ça. C'est correct d'augmenter l'expérience d'une quête qui est si obligatoire pour les gens aujourd'hui, je pense. Fongeur, le sort du monstre profite désormais des bonus aux dommages apportés par les idoles au lieu d'être bloqué par sa vitalité manquante. Un petit focus sur le coriandre, les ouginacs, les cras, ça fait pas de mal non plus. Sort! Bistouille! Le sort soigne désormais les alliés au corps à corps du panda, avec un nouveau ratio exceptionnel calculé sur la force. Les alliés, invocation comprise, renvoient ensuite 50% du soin subi à leur corps à corps à la fin de leur tour. C'est quand même un sort qui est vachement bien développé. On voit qu'il y a de l'effet. Je pense que pour panda support, c'est sympathique. Il y a, y a, je remarque quand même des trucs qui vont pas. Hein. Moi, je, je vois ici renvoi par exemple sans ENT. Je ne sais pas qui a écrit ce devlog, mais c'est de l'abomination. Euh, en tout cas, il euh, y a des fautes de frappe partout. Hein. Euh, en tout cas, je vois un sort clairement qui est fait pour que le panda terre puisse jouer support et qu'on ait plus ce panda un peu tank débile pendant que, enfin, évidemment on pourra toujours rester, mais le coup du vol levis c'était peut-être un peu fort. Je veux dire, bistou, c'était clairement dissolution du sacrieur et ça n'avait pas sa place dans le jeu. On va pas se mentir. Hein. Aujourd'hui, c'est quelque chose dont on se passerait largement ce genre de sort. Euh, correction temporaire. Il est venu aussi de lancer retraite au premier tour d'un combat. Ok, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Euh, je sais pas qui lance retraite au début de son combat. Ça arrive, je pense, mais ça me semble quelque chose d'assez fort quand même euh, euh, de, de nerfer ça. Peut-être pour les crafts fulminantes euh, dans la zone euh, dans la plus 3. mais Oh, ça me semble, ça touche beaucoup de choses, même le Coliseum. Faut voir ce que ça donnera. Le coffre Nutroff arrêtera désormais de passer dans un mur de bombes pour taper deux bombes en même temps. En même temps on a toujours su que les IA étaient un peu débiles. Hein. Les poisons divers du jeu, ébène, sorcram, flèche empoisonnée et autres, et encore une faute de frappe ici, qui a écrit ça, sont désormais affectés par les armures et rédictions similaires au sort Fécard. Alors. A la fois, fut un temps j'ai joué Feca. maintenant je dirais clairement que c'est une idée de merde, je vois pas en quoi ça a de l'avantage. Ça n'a d'avantage que les FK, ça n'a pas de sens que les gens profitent entièrement de leur sort quand on joue des sorts spécifiquement faits pour les contrer. Ce genre de mécanique c'est un peu débile parce que les armures n'ont jamais arrêté les poisons, donc je vois pas pourquoi on le changerait. Euh, de toute façon le SRAM va être au work je suppose, comme de la merde pas en cas, parce que de toute façon Kama fait toujours des choix de merde en ce moment. Mais on va pas se mentir, euh, moi je pense que les poisons n'ont pas été réduits par les armures. D'ailleurs ça s'explique RP hein, le poison sort littéralement bah, du corps de... Enfin le mec devrait mourir de son truc, c'est pas notre problème. Je vois pas pourquoi les FK doivent chialer sur ça. Ça concerne en, tout... en plus très peu de choses au PEM, c'est vraiment focus sur les SRAM en soi, parce que Eben et euh, Flèche empoisonnée et sort SRAM, bon on sait ce qui peut être sur un SRAM et ce qui peut pas être sur un SRAM. Encore une fois, je veux pas faire mon plaignard, mais c'est vraiment abominable, ce genre de choses, c'est pas normal. Euh, la poupée folle de Salida n'ira plus automatiquement vers les décors colorés en bleu à la fin de son tour. Quand on vous dit que l'IA dans Dofus est codée par des gens débiles. Euh, le monstre coffre de DD ne possède plus, par erreur, la ceinture du pieu vert dans la liste de ses drops probables. Ça arrive. Sûrement à cause de Temporis. Quête Artisan de la bourgade. Les récompenses en kama de glace ont été doublées. En kama et en kama de glace ont été doublées. Le niveau minimum de métier pour commencer une des quêtes est passé de 200 à 100. C'est une très bonne chose. On va avoir plein de gens qui vont pouvoir enfin tirer de l'argent de leur métier. C'est vrai que les métiers de récolte, c'est devenu un peu la mort. C'est vrai que les métiers de craft, ça sert quasiment plus à rien. Là, on a des, des quêtes de métiers qui vont pouvoir faire quelques camas brutes par-ci par-là, des camas de glace. Les gens vont pouvoir enfin se motiver. Alors évidemment, c'est pas des quêtes qui demandent de crafter tellement d'items. Et puis, il y a un craft niveau 100, mais du coup, ça va peut-être permettre d'XP les gens sans trop d'acheter de ressources à HDV. Je pense que économiquement, ça va permettre aux joueurs qui ont peu d'argent de s'investir dans des gros métiers comme ça, qui normalement demandaient des gros trucs. Et il y aura moins de ressources à acheter, ce sera cool pour l'économie je pense, c'est vraiment un choix incroyable euh, Clairement ça va faire plein plein d'astuces Kama, avec, euh, en faire, on va faire, en faire en vidéo hein, avec toutes ces, toutes, ces, toutes ces quêtes incroyables qui vont se débloquer Puisque évidemment, récolteur de la bourgade, les en Kama et Kama Glass ont été doublées Le niveau minimum de métier pour commencer une des quêtes est passé de 200 à 100 là aussi Donc là aussi c'est parfait, on va pouvoir faire son leveling bien plus simplement Faire le tas de pain. L'expérience obtenue par cette quête est doublée. Le nombre de camas de glace obtenu aussi. Alors, c'est une quête qui se trouve à Frigos qui vous demande grosso modo de faire 6 allers-retours d'environ 40 maps. Mais avec une Dragon Auto piloté, les skis pour le donjon Manceau de et euh, des potions de rappel, grosso modo, il y en a plus pour 40 maps mais environ 15. Donc franchement, il n'y a pas trop à se plaindre. 6 allers-retours de 15 maps, c'est environ 75 maps. Donc c'est normal qu'il double l'expérience de cette quête, qu'il double les camas de glace obtenus. Clairement, ça me faisait chier de la faire 30 fois par, par jour. Objet. La cape de Rick Irel devrait maintenant correctement donner son bouclier lorsqu'un joueur inflige des dégâts à distance avant de se déplacer au corps à corps. Voilà parmi les bugs du jeu à la con, hein, ce genre de choses où la cape calcule ses trucs après les animations des joueurs, Et les dommages distance, donner des dommages 4 pour la cape. C'est vraiment dommage qu'on paye des items 90 millions à l'HDV, qu'ils ne soient pas respectés comme ça. Je pense vraiment que les développeurs devraient revoir le fonctionnement correct des objets. Après je suis très content de voir qu'ils ont enfin fixé ça, la cape devrait en tout cas être plus efficace qu'avant. Euh, je pense que... Aujourd'hui, le niveau euh, d'efficacité de la cape en PvP s'est démontré à plusieurs reprises assez limité. Hein. Je veux dire, ok, d'accord, ça élimine les cras, ça fait chier les oogies, c'est assez tanky, ça donne beaucoup de skiff PM pour un item quand même qui donne aussi 500 de vie. Mais en soi, 1000 de bouclier, c'est quoi C'est 3 PA pour un Yop, ça n'a pas de sens. Enfin, je veux dire, c'est normal que toutes les classes aient 1000 de bouclier sous la main si elles jouent terre ou feu. Euh, bref, hein, bon, y a en plus, il y a moins 25% de dommages distance, c'est pas comme si c'était non plus. Euh, genre, enfin. Euh, les PM, c'est pas facile à avoir. Hein. Invisibilité, ça donne que 2. Croté, ça donne que 2. Pendant que ça donne que 4. Bon, ça déplace que de 6 cases. Et j'en passe. Hein. Euh, bref. Divers. La description de la cape indescriptible a été corrigée. Je sais pas comment ils se sont pris. La maison rose du port de Madrestam a été revue de façon à correspondre à un public plus jeune. Quelques-unes des références à divers. Réf... Quelques. Di... Ah, Excusez-moi, je, je me perds complètement. Hein. Quelques références à divers références. Qui a écrit quelques références à divers références Culturel et jeux connus ont été rajoutés ici et là. Surprendrez-vous le lama chez Kerubin. Ah, Fortnite, c'est tellement un bon jeu, putain. La ville de Bragmar possède désormais un zappi pont de cinémote. Ça sera utile. Je pense pour le marche magmatique, ça m'évitera vraiment des mal de dos, quoi. Le mariage ne se passe plus à l'église. Il a été déplacé au château d'Amakna, à la mise de Bonta ou à la mise de Bragmar. C'est super bien d'y avoir pensé, franchement. C'est cool. Euh, pour les gens non religieux, c'est beaucoup plus respectueux. Il existe désormais une recherche d'inventaire consommable pour les effets des consommables. Vie et énergie. Eh bien, évidemment, il n'existe que vie et énergie hein, sur le jeu, hein. Les objets d'élevage ont globalement été refondus pour avoir des apparences plus variées. Ouais. Il est désormais possible d'ouvrir correctement l'overlay de Discord sur Dofus. Merci Il est désormais possible de faire plusieurs appels lors d'un combat de groupe. Les joueurs participants recevront une notification pour passer en mode tactique, passer en mode créature, désactiver les animations, retirer l'affichage des dégâts à la demande de la personne qui a lancé le combat. Ça, c'est vraiment un truc. Genre, l'Iprane va être heureux. Ça, déjà, on va éviter tous ces gens qui ont les animations quand on les PL avec Zoram. Ça va faire du bien à Magem aussi, je pense. Ou même à Fint. D'ailleurs, vous avez leur, leur chaîne YouTube euh, en description avec euh, le, le lien vers le patch, évidemment. Mage plus Shift et un clic permet désormais d'agresser tous les monstres sur la route de votre personnage. Ça sera bien pour lancer des monstres rapidement, de faire Mage plus Shift. Donc, je rappelle, Mage plus Shift sur le clavier, c'est pas compliqué. C'est grosso modo, Mage plus Shift, ce bouton-là et ce bouton-là, d'accord. Et en faisant ça, clac, plus un clic avec la souris, on pourra agresser tous les mobs sur la route, ça va faire du bien. Le succès Bagarreur Marin a été ajouté. Il contient la totalité des succès sur le donjon Pichon, Tour de Bethel, Dantinac, Coutoulou et Meno. Un nouvel ornement, ornement Pois Sky sera disponible. Ok, c'est ok les poissons. Temporis, le serveur a fermé. Désolé ma gemme, désolé Fekka, désolé Nozada. Évidemment, ça cite des youtubeurs hein, dans les patchs, mais pas moi. Euh, ah, si, j'ai eu de la chance. Vous pouvez désormais vous abonner à la chaîne de Flynn sur YouTube et suivre les lives sur Twitch, étant donné que Temporis c'est terminé. Merci, c'est très sympathique. Merci Ankama d'avoir fait ça dans votre patch. Euh, évidemment, pensez à vous abonner, aimer, commenter, euh, la vidéo. Vous avez le lien vers ce patch évidemment dans la description. Il y a beaucoup de fautes de frappe. Je sais pas qui c'est qui a écrit ça, mais il a clairement pas vérifié son texte. Il a clairement, il a clairement bâclé quelque chose ici aujourd'hui. Mais, euh, en tout cas, le fait que ce, le fait que, le fait que je crois que c'est Cory qui a écrit ça. Cory Ouais, c'est Cory. Euh, donc le fait que ce patch soit là aujourd'hui me donne vraiment l'impression qu'on a des, des, des avancements incroyables. Il euh, y a des volontés euh, de ce que l'XP devienne quelque chose de correctement fait, entièrement en quête, etc. N'en déplaise euh, aux autres, hein, évidemment. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir sur Twitch, Magem, Nosada, Finn, SkyNabix, etc. Les autres, à vous abonner à nos différentes chaînes YouTube, à voir nos contenus, etc. J'ai hâte de vous faire du contenu sur la 2.51. Merci à vous en tout cas euh, de vous être abonné et d'avoir commenté et like cette vidéo. Des gros bisous à vous. A plus chef Finwich.